Les amis, et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans les commentaires. Alors, procès du 28 septembre, Dadis Camara a reconnu l'existence d'un passage secret pour lui au camp Alpha Yaya, mais maître, ce passage, c'est par contre votre client. Maître Yumba, monsieur le président de la cour, Dadis n'est pas un saint. Il a profité de ce pays. Il a une résidence au Maroc achetée à 5 millions de dollars par son ministre Big Up pour lui. Il a aussi une villa en Côte d'Ivoire au Riviera Palmeraie, gérée par un membre proche. Il n'est pas blanc comme neige dans le détournement des deniers publics au pays. La greffe doit voir son cas. Alors, on comprend que Dadis Camara, en plus des accusations du 28 septembre, est aussi accusé de détournement et blanchiment des deniers publics. Et Maître Yumba demande à la greffe de faire son travail. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne. Partagez avec vos amis, amis, familles, connaissances si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.